Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir eh bien, les différents types de brushes et surtout comment les créer et les utiliser. Il en existe trois et nous allons voir rapidement comment ils fonctionnent. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part. Je tâcherai de vous aider au mieux dans la compréhension et la réalisation de celui-ci. Si jamais vous avez des questions, les commentaires sont donc ouverts. Si vous trouvez que je parle un petit peu trop vite au cours de vidéo, sachez également que vous pouvez réduire le timing. Pour cela, il vous suffit d'aller en bas à droite et de définir un timing de 0,5, ce qui permettra de ralentir la vidéo de 2%, ou plutôt de 50%. Je vous dis donc à tout de suite au cours de ce tutoriel et je vous en souhaite un bon visionnage. Attaquons donc la création d'un pinceau dans Illustrator. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Vous pouvez par exemple venir tracer une ligne, ici que j'ai fait en bleu, et augmenter son contour. Donc là, elle est en blanc, on va la mettre en bleu. Vous pouvez également, pour donner un style à ce tracé, venir utiliser l'outil largeur. Donc l'outil largeur, on le retrouve ici. Et l'outil largeur, il vous permet tout simplement de venir à agrandir certaines sections et en rétrécir d'autres, de façon à donner un effet à votre tracé. Donc là, vous voyez, je vais venir de cette façon placer plusieurs points. Un point qui permettra d'avoir ici quelque chose qui soit un petit peu plus serré, qui redevient grand et qui redevient serré, par exemple. Donc là, hop, je resélectionne. J'ai cliqué trop, donc forcément, il a ralenti. Je clique dessus et là, on peut venir ralentir. Et là, de cette façon, on a une forme de tracé. Cette forme de tracé, je veux donc la transformer en pinceau. Pour cela, je vais aller dans Fenêtre et j'ai ici Forme. Forme, vous avez plusieurs sortes de pinceaux. On va les voir tout de suite. Pour que ça fonctionne, vous allez juste venir le faire glisser. Et on va vous proposer trois formes. La forme de motif, la forme diffuse et la forme artistique. Pour l'instant, je vais surtout m'intéresser aux deux éléments qui sont ici. La forme diffuse, par exemple, vous allez pouvoir choisir sa taille, son pas, c'est-à-dire la distance qu'il y aura entre chaque forme, vous allez avoir sa diffusion, ce qui doit être diffusé souvent, et sa rotation. Je vais tout mettre ici en aléatoire, tout simplement parce que ça permet de mieux comprendre l'élément. Et on a ici son choix de coloration. Donc là, il sera en bleu, parce que c'est le bleu que j'ai choisi de base, mais vous pouvez choisir qu'il soit en teinte, ou en teinte et ombre, qui permet de mélanger les couleurs. Et je clique sur OK. Et là, vous voyez maintenant que vous avez un nouveau type de forme diffuse qui est apparu, de même que cela. Le principe est que maintenant, si je prends ici par exemple mon pinceau, donc là, on peut supprimer ce tracé, et que je viens peindre avec celui-ci, vous avez votre pinceau qui va prendre la forme. Et bien, je peux venir faire la même chose directement avec cette forme. Et vous voyez que ça va venir la poser sur le tracé, suivant les paramétrages que vous aurez rentrés. Là, je vais juste faire une forme, donc directement ici. Voilà. Et si vous double-cliquez sur votre forme, vous retrouvez ici l'option de forme diffuse, on coche aperçu, et ici vous pouvez venir modifier les modifications, enfin les rendus de taille, les rendus de pas qui permet d'avoir des éléments qui soient plus ou moins proches les uns des autres, la diffusion pour avoir quelque chose qui soit plus ou moins écarté, et la rotation si vous souhaitez avoir des éléments dans des formes différentes. Cela permet tout simplement de pouvoir créer des motifs très facilement. On va revenir en arrière, petit CTRL Z, je fais réapparaître ma forme. Et on va voir l'autre type de pinceau. Je fais glisser. Et ici, on va avoir la forme artistique. La forme artistique, vous allez pouvoir choisir donc sa largeur, la mise à l'échelle de l'élément, et pouvoir venir adapter la longueur du contour ou étirer. Je clique sur OK. Et vous voyez qu'il apparaît maintenant ici. Et ce type de pinceau, ou de forme, il s'utilise par exemple sur un carré. Et si je clique, et bien vous voyez qu'il va en fait servir à créer la forme, le contour. Si je double-clique, je peux de nouveau l'ouvrir. Et ici, vous allez définir, donc en cochant aperçu, comment cela doit être mis en place. Est-ce qu'on adapte, comme c'est le cas ici? Est-ce qu'on étire suivant des repères? Donc les repères, vous allez pouvoir choisir leur sens. Est-ce qu'on augmente la taille suivant la largeur ou est-ce qu'on le met suivant la pression de votre tablette, votre mollet de stylet ou l'inclinaison? Bref, toutes les options souhaitées. Ou alors, est-ce qu'on le laisse à l'échelle proportionnellement par rapport à l'objet? Je suis plutôt adepte de adapter à la largeur du contour qui est plus intéressante. Vous pouvez également venir faire des flips et des chevauchements. Donc c'est aussi intéressant et assez utile. Enfin, la dernière option, je vous le montre quand même, c'est la forme de motif.
Je clique ici. On va avoir ici donc un motif. On va choisir à quoi elle ressemble suivant comment vous allez placer un élément. Donc là, on voit que quand il tourne, par exemple, il va faire une croix comme ça. Quand il va y avoir un retour, on peut demander à ce qu'il y ait un retour ici orienté. On peut demander à ce que ce soit un chevauchement. Bref, c'est vous qui définissez. Et maintenant, si vous venez faire un élément, on va venir par exemple, je ne sais pas, prendre la plume. On va avoir quelque chose qui sera comme ça. Si je clique sur mon motif, et bien vous voyez qu'il se met en place. Bien sûr, c'est différent de l'autre côté. Là, c'est vraiment, il va placer les uns après les autres des éléments de motif. On double-clique pour revenir dessus. Et encore une fois, on peut venir demander à ce que ça soit complété si jamais il y a besoin. N'oubliez pas de cocher aperçu. Donc là, vous voyez qu'il va finir automatiquement votre tracé et l'adapter. On peut demander à avoir une taille approchante, une symétrie, horizontale ou verticale, et bien sûr, modifier la taille pour avoir plus ou moins d'éléments. À vous de voir, suivant ce que vous souhaitez. Donc voilà pour cette petite présentation des outils de forme et de motif donc dans Illustrator. J'espère que cela vous a été utile. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, la section commentaires reste ouverte. N'hésitez pas à poster un message si vous n'avez pas tout compris ou que vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'utilisation et la découverte d'Illustrator. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaine YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.